Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, on se retrouve pour mon déballage du dimanche avec une grosse boîte Kickstarter reçue récemment, on parle de Dice Throne Adventure, un jeu initialement publié en 2018 qui arrive avec la version coopérative et solo, donc c'est un standalone qui se joue avec les boîtes de base du jeu, alors sans plus tarder, Dice Throne Adventure, c'est parti! Alors, j'imagine que vous êtes curieux. En tout cas, moi, je le suis. Ça fait 2 semaines que j'ai les boîtes et j'ai toujours pas ouvert le jeu. Alors, j'ai bien hâte de le découvrir. Dice Throne est un jeu initialement publié en 2018. C'est un jeu de confrontation, deux joueurs, essentiellement deux joueurs, mais qu'on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Il n'y avait pas de version solo, il n'y avait pas de version coopérative. C'est un jeu de vraiment de take that, de cartes et de dés. Magnifique jeu de Roxley Games, c'est toujours des productions de haute qualité. Et l'année dernière, sont arrivés sur Kickstarter avec Adventure, donc ça nous permettait de le jouer en coopérative et en solo. Alors j'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour m'acheter les boîtes parce que j'avais pas le jeu à ma collection. J'avais déjà joué une fois, j'avais bien aimé, mais comme c'était juste du take that, ceux qui me connaissent, c'est pas mon genre de jeu, j'ai pas beaucoup de public autour de moi pour jouer. Alors, j'étais bien content d'avoir une version coopérative et solo. Et ils en ont profité pour refaire la boîte de base avec donc tous les personnages de la saison 1. Et ça a été remasterisé, donc il y a eu des modifications. Et également de disponible la fameuse boîte avec tous les personnages pré-peints. Alors ça, c'est la saison 1. La saison 2 a également été publiée en même temps. Je ne l'ai pas pris, j'y ai attendu et c'est pour une bonne raison. Et je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Avec ce qui s'en vient pour le Dice Throne re-roll ou remasterisé. J'ai également 2 packs de promo. Alors ici, c'est un pack pour Adventure. Et celui-ci, un pack de cartes ici pour le fameux saison 1 de Dice Throne. Je vais mettre de côté volontairement la saison 1. On va les regarder brièvement à la fin. Mais je vais commencer par la nouveauté qui est Dice Throne Adventure. Alors, je vais mettre également ça ici de côté et on va attaquer cette grosse boîte-ci. Vous voyez, c'est une immense boîte. Un jeu d'exploration de donjons. 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 14 ans et plus. On a tous les personnages en format standy, mais on avait la possibilité de les acheter en 3 dimensions, ce que j'ai fait. Puisque vraiment c'est du beau matériel et je pense que c'est le jeu qui se doit d'avoir cette qualité de matériel-là. Vous allez voir, le matériel est vraiment superbe dans le jeu. Alors, c'est la compagnie Roxley, qui est une compagnie canadienne. Par contre, la version française n'existe pas. Et ça va changer, puisque je vous en parle un peu plus loin. Lucky Dog Games se lance dans l'aventure avec Dice Throne et la version française qui arrive le 9 mars prochain, je crois, en socio-financement. Alors, on regarde le contenu de cette grosse boîte-ci. Toujours impressionnant, les matériels de Roxley. J'espère que je ne serai pas dessus, ça me surprendrait beaucoup. Alors, on a fait ici imitation livre, mais ça va prendre probablement de la place dans ma ludothèque. Je pense que ça devrait rentrer. Alors, c'est un jeu de Nat Châtelier, Nanny Tremblay et Gavin Brown. Tous de parfums inconnus pour moi. Je me sais ici de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Commençant par un livre de règles, et intéressant, on a ici le tutoriel vidéo directement dans le livre. Ils ont commencé à faire ça de plus en plus, alors c'est intéressant. Alors, vidéo tutoriel pour y jouer. On a le matériel, alors magnifique. Vous voyez, c'est très coloré. Beaucoup de matériel, des cartes, des plateaux personnels pour les joueurs, des trays pour ranger tout ça. Beaucoup de jetons d'état et des dépersonnalisés selon les personnages. Magnifique jeu. Je pense que ça devrait plaire à plusieurs. Alors ici, on a une mise en place. Donc, plateau de joueurs, un autre plateau de joueurs. On va avoir une map qui va se composer selon le scénario, parce que c'est un jeu qui se joue en campagne, en différents scénarios successifs. On a ici donc la configuration pour le faire, le tray pour ranger l'ensemble des cartes. Et les états, il y a quand même beaucoup de jetons d'états, ça c'est intéressant parce que chacun des personnages sont vraiment très très asymétriques les uns des autres.
Alors ça, c'est très bien. Alors, comment fonctionne le labyrinthe? On a certains items qu'on va aller chercher. On devra voir se promener là-dedans dans différents niveaux de difficulté, donc des cartes de niveau 1, 2 et 3. J'ai même, je pense ici, carte de niveau 4, si je ne me trompe pas. Alors, c'est des degrés de difficulté. On va pouvoir donc arriver par un portail, se promener, aller essayer de récupérer la carte du boss. J'imagine que d'un scénario à l'autre, ça risque de changer. Mais ce que j'en sais, c'est ça. Et on va révéler les cartes. Certaines fois, ça va être des monstres à confronter. D'autres fois, ça va être des pièges ou des trésors qu'on pourra trouver. Ils l'ont fait en Dungeon Crawler, assez classique à ce niveau-là. Alors ici, donc, comment on va pouvoir se déplacer? C'est très rapide, c'est fast-forward. On reste pas trop longtemps en place. Ça, c'est bien. Alors, comment est composée une carte d'ennemi? Ça ici, c'est un monstre de niveau 4. Le nombre de points de vie. Et on a des points de commandement aussi, puisque c'est avec ça qu'il va activer ses différentes compétences. Nous aussi, on va les avoir. Et même les monstres vont avoir des dés personnalisés pour eux. Certains vont avoir des dés d'attaque, de défense. Alors, c'est encore un take that, mais ce coup-ci, c'est vers un jeu qui, lui, va s'auto-gérer. Donc, c'est bien pour ça. Ce qui en fait, j'imagine, un solo assez intéressant. Alors, les minions, la fin d'un tour. Comment compléter le portail? Bon, la version que j'ai ici, c'est en anglais. Les explications ont l'air claires et bien amenées. On a des encarts, on a beaucoup de référencements avec du visuel. Donc, ça devrait bien aller là-dessus. La bataille avec les boss qui risque d'être plus compliquée, assurément. Ensuite, on a le loot chest. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir aller chercher de l'or et différentes autres récompenses qui vont nous servir à améliorer nos cartes. Ça, j'aime beaucoup ça. On va avoir donc ici des sessions dans lesquelles on va prendre des scores. On va calculer tout ça. Et on va avoir une espèce de deck building entre les parties. Un petit peu à la Horreur à Arkham pour ceux qui connaissent. Donc, ce sera peut-être pas en cours de partie, mais c'est à la fin de la partie qu'on va augmenter nos capacités de cartes. Et ça aussi, c'est intéressant. Les cartes vont avoir plusieurs utilités. On va pouvoir améliorer nos jets lorsqu'on va attaquer. Mais on va pouvoir aussi améliorer notre personnage en plaçant des cartes sur notre plateau individuel. Ça, c'est bien. Alors, le score d'une campagne, boss versus. Donc, on a différents modes de jeu ici. Une foire aux questions, un glossaire, des choses que j'aime toujours. Et comment ranger notre boîte de jeu. Ça aussi, je pense que ça nécessite quelque chose de bien. Alors, comme je l'ai dit, beaucoup de jetons d'état selon nos personnages. Des personnages vont avoir des habiletés différentes. Mais tout ça va être très bien résumé sur notre plateau individuel. Alors, ici, on a la feuille de campagne. Ça, j'aime beaucoup ça. Alors, campaign scoring sheet. Très intéressant. Alors, les miniatures ici. Alors, comme je vous dis, c'est les personnages donc de la saison 2, de la saison 1. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 personnages qu'on a ici dans probablement la grosse boîte que j'ai en arrière. La saison 2 fait office d'une deuxième campagne avec différents personnages. Ce sera possible d'acheter ça séparément. Je sais qu'on pouvait les acheter en pack de deux, parce que généralement, c'est des confrontations de joueurs. Donc, initialement, il y avait comme quatre boîtes qui faisaient la campagne. Il y a des personnages supplémentaires qui vont apparaître. Un dice tray, donc une petite publicité sur tout ce qui se vend avec le jeu. C'est de bonne guerre. Alors, on voit ici les plateaux, comme je vous ai dit. Superbe qualité, grosse épaisseur, ça c'est super bien. Alors, on a ici nos jetons d'état. On a tout ça qui apparaît. Très belle épaisseur. Ça dépunche bien. Ils ont l'air d'être bien placés au niveau des impressions. Alors, 1, 2, 3. Ici, on a des standees. Donc, c'est les personnages qu'on va retrouver. Je ne pourrais pas vous les nommer. Gunslinger. Alors, j'en ai quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, on en a quand même quelques-uns. Donc, j'ai la saison 1, saison 2 là-dedans. C'est la possibilité donc, de jouer avec des standees. D'autres jetons ici.
Alors, tout ça va apparaître dans ce tray-ci dans lequel on va mettre nos fameux jetons d'état. On l'a vu dans le rive de règles, ça c'est bien. Ensuite, ici, on va casser ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc, si on joue avec des standees, on a nos petits pieds. Ensuite, ça, sont déjà prémontés. Alors, des points de combat, c'est essentiellement avec ça qu'on va activer nos différentes cartes lorsqu'on va les avoir. Et de l'autre côté, c'est les points de vie. Alors, super intéressant. On en a plusieurs parce que ça va dépendre des personnages avec qui on va jouer. J'imagine que ça vient avec les méchants. Très belle qualité, encore une fois. Puis, comme je vous l'ai dit, sont déjà assemblés. On a également un compteur pour l'or. Donc, on va essayer de faire de la collection d'or dans le jeu pour être capable d'acheter différents items. On a également les fameux dés personnalisés. Ça, j'imagine que ça va avec les dés des monstres. Alors, différents types de phases d'action. On va voir ça sur chacun des personnages. Ils sont également numérotés. Et j'ai des dés à 20 faces ici. Belle qualité de dés, franchement. Belle épaisseur. Les heures de plaisir à ranger tout ça. Ensuite, ici, j'ai ce qui semble être peut-être des personnages. Alors ici, on a un petit rappel. Donc, c'est la shop, si on veut. Les cartes communes, rares, épiques et légendaires. Ça va être le coût. Donc, 10, 15, 20 et 25 pour les acheter. Comme je l'ai dit, on va ramasser de l'or et on va être capable de le dépenser. Ici, on peut « sell card », on peut vendre des cartes pour 5. Et « identify », j'imagine qu'on va avoir des items à identifier, ça se peut, un peu comme dans les jeux vidéo. Et on a un petit texte ici qui nous explique le personnage, magnifiquement illustré. Ensuite, on a les « loot » ici, ça c'est intéressant, donc les 4 types de coffres qu'on peut trouver. Et j'imagine que ça va selon le dé, on a de 1 à 20. Alors on va sûrement brasser, donc 20 en ramassant ici dans un coffre de niveau 1, une carte rare, carte légendaire, toutes des cartes, de l'or, des points de vie. Alors c'est toutes des choses qu'on va pouvoir récupérer. Oh, 5, 6, 7, 8, donc intéressant. Ensuite, Fallen Barbarian, donc c'est un personnage, les règles pour l'utiliser. On a ici la conclusion, stand. Alors, deux effets qui pourront être utilisés. C'est les phases de dés, comme je l'ai dit. Chacun des personnages, ça va créer des différentes choses. Comme lui, avec un 4 et un 5, ça crée des vortex. Et le chaos en 6. Alors, c'est selon le personnage qu'on va affronter. On a évasive, une espèce de gunslinger. Avec donc les règles pour le AI, qui est l'intelligence artificielle, les questions directement sur la feuille, donc les Frequency Asked Questions, le FAQ. On a ici donc les 3 jetons d'état qu'on pourra faire, comment ça fonctionne, les phases de dés encore là pour lui. Ensuite ici j'ai Kao, un autre personnage, un moine aveugle qui se bat avec le Kao, l'évasif, le knockdown. Et les différents dés. Et ici, j'ai le Mad King. Il semble pas très content. Encore là, beaucoup ici d'effets qui vont pouvoir être activés. Et c'est les fameux plateaux de joueurs. Regardez ça, c'est de toute beauté. Alors, ça va être dans des plaques individuelles. On va ouvrir ça. On va avoir ici notre Explosive Rage, donc si je fais un brassement de dés avec toutes ces faces-là, j'ai un effet ultime qui va apparaître. Sinon, j'ai 4 et 4 effets permanents qu'on peut toujours utiliser. Et la beauté de ça, c'est qu'on va avoir des cartes qu'on va pouvoir modifier, donc on va avoir des avancées. Donc j'ai le Barbarian Roar aussi, que j'ai celui de base, mais éventuellement, je pourrais avoir des niveaux 1, niveau 2, niveau 3 pour rendre ça plus puissant d'une fois à l'autre. Et c'est de la progression de personnage qu'on va pouvoir traîner d'une partie à l'autre. Alors, c'est super bien fait là-dessus. Très beau. Ici, j'ai encore l'autre personnage. Et c'est tous des sorts vraiment différents des uns des autres. Un Hot Shot, qu'on ne retrouvera pas. J'ai un Magic Bullet.
J'ai un gun down, donc toutes des habiletés différentes. C'est un peu le même principe. On part du principe du Yati ou du Yum, comme je vous ai déjà parlé. Donc, on va avoir des dés à brasser. On va pouvoir les rebrasser jusqu'à 3 fois. Éventuellement, activer certains sorts. Et on va pouvoir utiliser nos cartes pour bonifier nos actions. Et tout ça va coûter des points de commandement pour pouvoir le faire. Et on va comme ça essayer de descendre les points de vie de notre adversaire. Alors, le Monk ici. Et le Mad King. Donc, c'est tous des personnages. J'ai quasiment le goût de tout ranger ça. Je pense que ça va être bien. On a encore. Oups, ça c'est pas mal plus pesant. C'est le gros du puzzle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez la grosseur des cartes, c'est quand même très 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 intéressant. Alors voilà, c'est effectivement des immenses cartes et là on a des degrés de difficulté. Donc j'ai des 4, des 1, des 3, des 2. Donc c'est des monstres qui seront composés selon notre scénario. On va avoir ça, on va les piocher aléatoirement et chacun des personnages vont avoir un nombre de points de vie, un nombre de points de commandement. Des attaques et des défenses de base. Donc, si c'est sa défense, c'est un sort passif, la façon d'attaquer dans son cas. Le reward, donc ce que je vais gagner, c'est un coffre de niveau 2. Et là, on voit ici que c'est un first strike. Donc, celui-là va attaquer avant qu'on l'attaque. Donc, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Dans son cas ici, c'est le cas. Donc, différents personnages comme ça qu'on va pouvoir rencontrer au cours de l'aventure. C'est nos fameuses tuiles qu'on a ici qui vont nous dire qu'est-ce que c'est. On va quand même prendre le temps d'y regarder puisque les illustrations sont quand même superbes. Alors, toutes sortes de personnages, autant des humains que des animaux. On va rencontrer toutes sortes de bestioles qui fait en sorte que notre parcours ne sera pas nécessairement plus simple. Alors ici, j'ai ce qui est des séparateurs, j'imagine, pour faire le classement dans notre boîte. Ça, j'apprécie. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, Legacy Pact A. Do not open until. Alors, on n'ouvre pas jusqu'à temps qu'on nous le dise. Alors, j'aime ça. Un séparateur pour les onglets ici de scénario. Alors, je peux malheureusement pas vous montrer le contenu de l'enveloppe. Pour ça, faut jouer. Et j'ai la même chose ici. J'ai le Legacy Pacte C, le Legacy Pacte D. Alors, c'est encore des packs de cartes qu'on ne peut pas ouvrir tant qu'on n'a pas joué le scénario. Toujours intriguant. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, les Adventures. On va aller voir ça. Donc, différents sorts. J'en ai plusieurs, donc on a ici, c'est par personnage, okay, on les a ici par personnage. Donc j'ai 4 personnages et chacun des personnages a son propre deck de cartes. Alors, assez intéressant. On va regarder ça tout ça. Tout ça. Ensuite, ici, les cartes de rappel pour le type de mode, donc boss versus boss. On peut également jouer de différentes façons, comme on a dit. Des séparateurs pour nos différents personnages. Les autres cartes. Legendary, ça c'est les cartes d'amélioration. Alors, ça c'est très utile. Ici, oh, les cartes sont foiled. Je pense que je vais commencer par celle-ci. Alors, on ne va pas en solo celui-là.
Il y a des règles solo. On peut jouer en coopératif, donc j'imagine qu'on peut jouer à deux personnages en contrôlant deux personnages, mais il y a également des règles solo qui nous permettent de jouer uniquement solo avec un seul personnage. Donc ça a été pensé pour ça. Ça, c'est bien. Alors, je pense qu'on va commencer avec ça pour aller voir les fameuses cartes avancées. Les dos sont tous pareils puisque on fait un jeu de cartes. On ne veut pas savoir c'est quoi. Mais nous, on veut savoir en regardant ça. Fait qu'on jette un coup d'œil aux cartes. Ok, donc c'est des decks d'amélioration. On a plusieurs types de cartes. Ça peut être des sorts, ça peut être une mule ici qui a des points. Donc comment on va les... comme ça, une carte rare peut pas être jouée en solo. Zéro point de commandement pour l'avoir. On a un point d'exclamation, on a un sort qui va avec. Alors c'est une façon d'améliorer notre personnage en faisant différentes... en amélioration de notre deck de cartes ou de notre plateau de joueurs. Alors ça, c'est super bien. On a quand même pas mal. Et on peut peut-être regarder à travers un des paquets de cartes de joueurs. Ce sera nos cartes de départ. Je présume qu'on ne part pas avec toutes les cartes. On va quand même regarder ça. Alors, vous avez vu différents types de cartes. Si on regarde un peu ce personnage-ci, donc on va peut-être essayer de regarder pour voir quelles sont les améliorations qu'on peut apporter. Parce que je trouve que c'est un système assez intéressant. Donc, on va avoir ici notre plateau. Comme on a dit, on a différentes cartes. Et dans le paquet, donc on a des cartes standards qui vont augmenter nos points de vie, augmenter notre défense et tout. Mais on peut également aller chercher ici ce qu'on appelle des améliorations directement de notre paquet. On voit ici qu'ils ont le même nom, donc ici le Smackdown. Et je peux passer ici au niveau 2. Ça me coûte un point ici de commandement. Et à ce moment-là, je vais prendre celle-ci et je vais la mettre sur ma carte qui est ici. Donc normalement ici, je fais 5 points de dégâts, 7 points ou 9 points. Je vais le passer de 8, de 6 à 8 à 10. Et en plus, je vais avoir un effet supplémentaire. Dans le cas présent, c'est le même, mais éventuellement, ça pourra augmenter. Et je peux même passer au niveau 3 éventuellement, qui coûte 2 autres points. Et on passe de 7, 9 et 11. Et on a ici un 3 of a kind plutôt qu'un 4 of a kind. Donc, il va être plus facile à faire pour l'effet supérieur. Alors, je trouve ça très intéressant. Donc, il semble y en avoir deux. Donc, niveau 2, niveau 3 pour chacun des sorts qu'on a ici. Ça semble être le cas. Alors, super bien pensé là-dessus. Donc, on aura d'une partie à l'autre la possibilité de faire une progression de personnage. Ça, j'aime beaucoup ça. Et le reste des cartes, ben, on va jouer avec. Éventuellement, on va les augmenter. Et effectivement, on voit que les cartes avancées ont un petit effet foil dessus. Fort intéressant. Donc, c'est comme ça pour chacun des personnages. Je les ouvrirai pas tous, mais j'ai quatre personnages ici dans la boîte de base qui vont augmenter. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil ici avec le pack. Il vient avec le Kickstarter. Donc, c'est un promo pack. Je ne sais pas si c'était les stretch goals, mais on a donc des cartes supplémentaires d'amélioration. Donc Black Belt 2. Alors, c'est toutes des pièces d'équipement supplémentaires. OK, intéressant. Et on a des personnages également ici. Même les personnages sont foils. C'est intéressant.
Alors, donc, Umbra, un elf ici, le Melodic Maiden, la Chimère et le Loot Guard, le Loot Goblin, lui on l'aime toujours, c'est celui où ce qu'on court après, on tape dessus et il y a de l'art qui sort. Et on voit ici Reward 1, 2 et 3, donc il va rapporter beaucoup en loot, c'est intéressant. Mais c'est pas tout, il nous reste quand même quelque chose dans la grosse boîte ici. Et c'est ces fameuses cartes ici. Encore là, j'ai un Legendary Pack B. Alors ça, c'est des tuiles qui vont arriver éventuellement en cours de route. Mais on les aura pas tout de suite. On va avoir ces tuiles-là en partant. Et c'est avec ça qu'on va composer notre fameux donjon. Alors, allons voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors, le Boss Portal avec son commence. On en a. It's begin. OK, donc notre portail d'arrivée. Ensuite, on va voir différentes tuiles niveau 1, 2, 3, comme je l'ai dit. Donc ici, j'ai un pont qui va me permettre d'interagir avec. Donc les niveaux 1 sont plus faciles. J'en ai ici de toutes les sortes, des lianes, des pièges, des coins de rue, des marchés, une forteresse. OK, donc ici, c'est plus des environnements, si on veut. Intéressant. Ensuite, on va mettre les 1 de côté. On va aller au niveau 2. Alors, les niveaux 2. Alors, des piliers, des pensives, un plateau, un lac. OK, c'est encore des choses, c'est la même chose. Donc, c'est des environnements. Donc, si j'ai le volcan, il va, lorsque je vais le découvrir, je vais faire 2 pièces d'or. Je vais faire apparaître un monstre de niveau 2. Et je vais avoir un sort ici qui va apparaître. Je peux... enlever des statuts positifs pour gagner l'effet burn. Donc, les flammes vont m'enflammer, vont peut-être me permettre d'être plus fort. Par contre, je vais perdre certains effets. Et je vais devoir confronter ici un monstre de niveau 2. Le jeu se joue en coopératif. Donc, au tour que je vais attaquer le monstre, je vais faire une attaque. Il va faire une attaque. Ça va arrêter là. Et éventuellement, mes partenaires pourront venir me porter main forte pour pouvoir passer à travers si j'ai besoin d'aide ou tout simplement aller vers un autre côté du plateau pour essayer d'accélérer le jeu. Alors, là-dessus, ça me fait peut-être penser, en additionnant les combats, mais il y a un petit peu de Subterra, si vous vous rappelez un jeu que je vous ai déjà présenté, qui arrive d'ailleurs en France, qui est arrivé en français, mais que le deuxième volet arrive prochainement. Alors, ça peut peut-être me faire un petit peu penser à ça. Ensuite, donc niveau 3, j'ai des emplacements. C'est tous des emplacements. Donc, directement, tantôt j'étais dans un bras de volcan et là j'arrive directement au volcan. C'est un monstre de niveau 3 et j'ai des effets. Et c'est tout simplement comme ça qu'on va additionner les fameux boss. Et on a dessus. Exactement. Donc, il y en a qui ont des rencontres, il y en a qui n'ont pas. Et c'est la configuration qui va nous le dire de chacun des scénarios. Et tout ça avec des enveloppes cachées. Alors, très intéressant, beaucoup de matériel legacy. Ça, c'est toujours intriguant. Donc, on a 4 paquets de cartes amélioration. Donc, des cartes pour nos personnages, des cartes de tuiles, des cartes de boss, des cartes de minions qui vont apparaître tout au long de l'aventure. Ça, c'est bien. Donc ici, on a des cartes de référence, ça, c'est quand même bien. Des boss versus boss, mode de difficulté, scénario, vétéran. Alors ça, c'est plus des cartes de référence. Il me manquait quand même l'essentiel, donc les scénarios. J'étais là, je cherchais à quel endroit on a les scénarios. Normalement, ils sont dans un livre de règles à part, mais dans ce cas-ci, on a ça ici, dans un feuillet de petites... c'est pas des petites, c'est des grosses cartes. Dans lequel on a toute la mise en place et les différents scénarios à réaliser. On va quand même y jeter un coup d'œil. OK, ça semble intéressant. Donc, j'ai à peu près 8, ce que j'imagine être des chapitres. Donc, 8, 7. J'ai plusieurs 7. J'ai 6. Et on voit comme ça que j'en ai environ 3 de chaque niveau. Puis plus je vais bas, donc j'ai 2, 1, 2, 3. J'ai 4 de niveau 1. Donc, c'est... un dungeon crawler qui va faire en sorte que ce ne sera jamais les mêmes parties. On a ici donc, si je prends le premier ici, qui est le portal crawl, ça va avoir la mise en place.
le hero setup, avec combien de points de vie on va commencer, qu'est-ce qu'on va distribuer, les points d'or, la conclusion, comment donc gagner ou perdre durant la partie, et end-skin token, donc très intéressant, c'est très simple. J'ai pas vraiment de texte, mais on voit ici que le Portal Crawl, c'est tous le même pour le premier, donc le niveau 1, mais j'ai des configurations différentes et des nombres de cartes différentes, ça c'est bien, donc ça va changer. Et ensuite, si j'ai le Boss Battle, le Fallen Barbarian, tout ça, ça s'en vient ici. Ok, fort intéressant. Le Fallen Monk et le Mad King à la fin. Alors, c'est tous les boss que je vous ai présentés, c'est dans le mode aventure, c'est contre eux qu'on va se battre. Donc, ce que vous avez vu, ça se trouve être des confrontations qu'on va avoir contre ces personnages-là, mais comme on peut faire également des combats boss contre boss, ça devient à ce moment-là l'équivalent du Dice Throne de base. Alors, et on peut également donc sortir la première campagne, les premiers personnages pour utiliser, pour jouer dans le jeu. C'est peut-être l'aspect un peu négatif de Dice Throne Adventure. Vous avez besoin de vous procurer au moins la boîte de saison 1, peut-être pas la boîte complète, mais ça vous prend quelques personnages pour pouvoir y jouer. Alors j'ai ici les figurines des différents personnages. Donc j'ai le moine, j'ai le pyromancien, le paladin, ce qui se trouve être un genre de hent, barbarian, un shadow thief, un ninja et un moon elf. Donc c'est tous des personnages qui font partie de la saison 1. Ça, c'est la boîte seulement avec les figurines peintes qui sont magnifiques. Vous avez la possibilité donc de faire l'achat de cette boîte-ci qui est le remasterisé, donc la saison 1. Et c'est cette boîte-ci qui sera éventuellement le 9 mars disponible en français lors d'une campagne de socio-financement. Et ça vous donne accès à tous ces personnages-ci qui seront des personnages que vous allez utiliser pour faire soit en mode combat normal. Donc ici, c'est une boîte de 2 à 6 joueurs. Si vous voulez faire en équipe ou un contre un des combats, ou même à 3, c'est votre choix. Donc à ce moment-là, on va juste avoir des confrontations entre personnages. Ça fonctionne de la même façon, donc avec ce tableau-ci, les cartes que je vous ai montrées, les dés personnalisés, c'est exactement le même processus. Sauf que on peut également prendre ces personnages-ci pour faire la campagne de Adventure, mais ça vous prend les deux boîtes pour pouvoir y jouer. Alors, sachez-le. Alors, moi, je n'ai pas pris de chance. J'y étais avec Adventure, la saison 1 au complet. J'aurais pu prendre la 2, mais je me suis dit, avant de passer à travers tous ces personnages-ci, j'en ai pour un petit bout et amplement de jeu. Alors, je vous garde la surprise de l'autre boîte pour un autre déballage, puisque comme ça s'en vient en français chez Lucky Dog Games, je vais faire une vidéo présentation seulement pour la campagne. Et à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir voir le contenu de la boîte remasterisée avec les nouveaux personnages, donc à suivre. Alors, bien hâte, malgré tout, il y a beaucoup de composantes, belle qualité, mais ça me semble pas très complexe et très compliqué à jouer. Alors, bien hâte de tester ce solo-là et vous le présenter. Alors, c'était ma présentation de Dice Throne Adventure. Vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Et on essaie d'essayer ça rapidement. Alors, on se revoit bientôt. Bye tout le monde. À la prochaine.